Et maintenant, on va faire l'épisode 0.5, l'épisode où on s'intéresse à notre équipement, à nos compétences et tout. Et aussi le fait que là, on était sur une grosse session aujourd'hui. Forcément, la fin de la session est toujours plus difficile parce que bah, j'ai pas fait de pause pour l'équipement. Espérons que tout se passe bien maintenant. Alors, commençons par tout ce qui ressort des jobs. On a le Monk, niveau 10, qu'on peut remplacer. Donc on reste sur une cagouille avec une seule classe, malheureusement. On peut se mettre Warrior. Je préfère monter les jobs à bas niveau qui ont des... du coup des stats en termes d'augmentation de stats qui sont dégueulasses. Je préfère les monter en secondaire parce que du coup c'est pas eux qui vont être pris en compte pour les montées de stats. On va mettre Warrior ici, j'allais dire Barrier. C'est un 9-9-9, oula, Kuma. Ici on a Celestial qui passe à 10. J'ai deux Avenced ici que je pourrais mettre. Je vais mettre Confucian, je pense. Ensuite, ici 9-9, 9-7. Là, on a un 10 aussi en Monk. Je pourrais mettre Warrior, Magicien, Prêtre en secondaire. Ton magicien. On a archer en 10. Ça va, ça va enlever beaucoup de compétences. On peut se mettre priest en secondaire. 7, 9, 6. Hein. Là, on a samouraï. Pareil, c'est en secondaire. On peut se mettre priest aussi. 7, 5, 8. Ok. Alors ensuite, au niveau des skills, Monk, on avait presque tout master. Je croyais qu'on avait tout master, mais en fait, pas du tout. Voilà, ça c'est master. Ça. Voilà, on a le master ici, c'est cool. Barrierist. Alors, increase def évasion. Ok. Protection Seal, decrease damage taken from attack from the side or behind. Key Resistance. Et là après le truc vers l'ulti. Magic Shield convert HP to MP for allies within range. Ok, nullify being individual target of an enemy. Lift curse spell. Ça enlève les debuffs. Magic attack évasion. Ah. Donc là c'est des barrières. Qui augmente. Alors, non, ça invoque une pierre qui augmente les résistances des alliés autour. Là, ça invoque une pierre qui refile la vie. Status effect résistance qui redonne des MP. Et là, ça nous enlève tous les dégâts qu'on reçoit. Ok. Ça. On va prendre ça. Maiden c'est déjà fait, Magicien c'est déjà fait. Là on a 10 000, c'est la fête.
Ici. On n'a pas utilisé apparemment. Là. Ok. Priest. Ok. Ça, ça coûte trop cher. Ici en Incantor. En Célestial. En Floriste. Ici on va pas utiliser, ici on a Monk et Shintoist qui sont maintenant dispo parce qu'on a assez monté Priest, on a Proficiency Plus ici, excellent. En Elemental. Ok, en prospecteur. Prospecteur, on a tout. Ici, en herculéenne, on a tout, j'ai l'impression. En monk. Là, on augmente la key wave. Et cela en Shinobi. Alors, équipe dagger, attaque increase, wavefire, ok. Move plus 2. Ce qui permet d'avoir Shadow Skip. Move to the selected place, ok. Qui permet d'avoir Ko Agakure. Makes yourself untargetable by an individual enemy, ok. À côté de ça, on a Water Escape. Able to move on water terrain and increase move while in water terrain. Ça permet d'avoir Illusion. Individual Magic Attack, does MP damage to enemy, Malefic Dementia, et Poison Spider, Malefic Individual with Venom, ok, ça permet d'avoir Cicada, 100% de chance to evade an enemy's physical attack once, et l'outil, Individual Physical Weapon Attack, attack 2 to 4 times, ok. Picklock, open the treasure safe by activating a trap, ok. Shuriken, individual physical attack, chauffe-froid, shuriken, explosive trap, main fix stop, d'accord. Range physical attack, for multiple shuriken at once. Full border, increases aim by 30%, and when behind unit, increases damage. Increases attack and evade, the lower your HP is. Alors, on va prendre ça. Oups. On va master le shuriken. Ah, master full murder. Illusion. Et voilà. Ça fait 2 passifs et 3 compétences en plus. War God. Ça s'est amélioré.
s'améliorer. Ça aussi. Warrior Scholar. Très bien. Ici, en archer, tout le haut est master. On va pouvoir master le bas. Par extension, hein. Ok. En hunter. Hunter, faut que je monte ça de 2 et je peux avoir une arrow de malade. Voilà, qui a une base de 350, c'est très bien. Concentrate Fire. J'ai pas de petits sorts à lancer constamment par contre ici, c'est un peu dommage. Ah, c'est bien ça. Ça, ça coûte trop cher. Ici, en archer. Voilà, Maiden. On veut le level de plus parce que le level de plus, c'est de la balle. En danseur. Là. Bon, je sais pas, on l'a pas utilisé. Kame. En désertion. Là. En herculienne. On va prendre Ground Splitter. Ulti ici. Là. Ici, en Warrior. Ok, Shintoïste, on a tout. Ok. En Maiden. Petit passif ici. En Sea Captain. Là, Isun en Daredevil. Ça s'est passé en Master. J'ai plus rien d'autre. Confucian. Malétir. Et ici, là. Elemental. Arazuki. Alors, donc on a White Deity, Dismiss, Is Summon. On a amélioré si possible. White Snake, White Boar, Eagle Wolf, Deer Fox. Et derrière, avec Snake et Boar, j'ai. Pour un Secret Skill Gauge, Take Damage Every Turn, but Increase Magic Attack, and Turn at Pay Recovery. Pour 5, Sakuya of Yomi.
Wedge Water Magic Attack calls forth the Giant Ice Flower. Et pour 4, recover HP by 200, MP by 100 of All Alive with Blessed Rain. Mmh. Un ulti de soin, c'est cool ça. Ok, alors, du coup, est-ce qu'on a des trucs ici qui nous intéressent? Ça, on va laisser la même chose, parce qu'on a une combinaison Princess of War, Proficiency Plus, Princess of War qui bénéficie de tout ce qui est niveau 10, Proficiency Plus qui me permet d'aller vite sur les jobs avec Kaguya, et d'avoir des stats de malade derrière. Proficiency Plus, de toute façon, Kitaro, je crois qu'on l'a pas utilisé quasiment, hein. Voilà, là on a MP Recovery Plus. Alors on va laisser ce qu'on a. Ça, on va faire le Evade Plus à la place. Excellent. Ici, on a déjà équipé le Evade Plus. Alors ici, Reduce MP Cost niveau 1, c'est pas non plus la folie. Extra Standby, ça, je l'ai amélioré. Malheureusement, ça va faire qu'elle va gagner moins vite de l'XP et des MP, mais bon. Je pense que je vais mettre MP+. +5% of damage taken from physical attack to an enemy. Et MP recovery plus, je pense. Comme ça, elle gagne 34% de 331, ce qui permettra de réduire un peu le problème de, des invocations. Ensuite, l'équipement. Alors d'abord, allons du côté de ceux qui n'ont plus rien. Je sais plus ce qu'elle avait, mais je crois qu'un bâton, c'est pas mal. Hein. Ensuite. Silver Hat. Silver Robe. Qui avait son truc de changer? Mettons le gros truc. Derrière des Silver Boots. Ah, ça c'est une meilleure en stat en fait, ok. Très bien. Est-ce que j'en ai un autre qui n'a plus rien en équipement? Non. Ok, bon. Alors qu'est-ce que j'ai comme arme qu'on a récupéré? Lui, il me semble qu'on le connaît. Hein. Peut-être d'un autre temps. Warrior, bon, on connaît. J'ai juste regardé ce qui était dispo. Murakumo, forge with divine steel. All fall victim into its blade. Alors ça, est-ce que pour Jean-Jacques là, ouais, c'est largement mieux. Il a les deux épées divines. Tout va bien. Tout va bien. Alors on a rien de nouveau. Bronzaxe, ok. Oreille, on connaît. Thunderbolt, on connaît. Très bien. Ensuite, ici, on a un Resin Crown. Qui a l'air risible. Et un Quality Helmet
qui vaut pas un Demon Helmet, mais qui est mieux qu'un Steel Helmet. Kame, ça a l'air beaucoup mieux. Ensuite, en cuirasse. J'ai un Warcourt Robe. Ça a l'air nul. Un Chainmail qui a l'air naze aussi. Ok. Et ici... J'ai dit quoi, le Diamond Gem. Magic Attack, Magic Death. Peut-être donner ici. Oh, c'est moins fort. C'est moins fort. Je pense que c'est mieux que lui. Très bien. Va pour ça alors. Donc l'équipement c'est fait. Passons à la boutique. On va vendre. Ces trucs-là. Ces trucs-là. Et ces trucs-là. Hop là. Ensuite, on va acheter les Lifestone parce qu'on a cafouillé comme pas possible sur la dernière mission. On passe à 15. On va try-on pour améliorer un petit peu l'équipement de nos persos en commençant par la fin. Ancient Staff. Ah, ces trucs sont moins bons. Et il a pas les quality trucs, lui. Oh, le gars. Si je vais là, est-ce que c'est mieux, du coup? Est-ce qu'il a des trucs de malade, lui? Giant Shield. Les trucs de géant. Faisons un try-on, hein, on va vite voir. Ebony. Ah bah non, c'est les trucs qui datent d'un autre temps, ça aussi. On a les quality là. À Yoshida. On peut essayer de voir à Home et Mountain s'il y a un bon shop, s'il y a des nouveaux articles. Welcome. What will it be? Non. Welcome. Donc il faut que j'aille là où il y a les quality. Pour espérer avoir quelque chose de sympathique. Welcome. Try-on. Ah, il a pas de bâton? Ah si. Bah, Fragrant Staff, c'est ce qu'il a actuellement. Justement. Donc elle est déjà équipée avec... truc de folie. Hop là. Ok. Donc... ici. On va améliorer là. Pas un truc un peu plus... ouais, je pense que ça sera mieux pour lui. Ça augmentera la précision aussi au passage. Le problème, c'est qu'en Magic Death, il serait bon qu'il soit pas trop nul non plus. C'est vrai. Donc, non, restons là-dessus. Ici. Là, c'est une veste. Oula, c'est trop cher.
Putback. Hop. Très bien, restons-en là. On a deux améliorations sur ces persos-là. Ce sera déjà bien. Hein. J'avais pas un proficiency aussi qui fait que j'équipe. Attendez deux secondes. On va vendre les trucs et on va vérifier ça avant de se quitter. Weapon, y'a rien à faire. Là. Là. Wow. Très bien. Hop. Petite amélioration. Maintenant, sur les passifs. Ça doit être pour elle, vu que... Ah non, elle est en warrior. Qui est en priest? C'est lui qui est en priest? Ça y est, il est niveau 3 là-dedans, lui. Ah. Équipe shield. Je vais pouvoir le garder, le shield. Ça m'enlève 50 points d'attaque. Ça me fait un peu mal, mais ça me permet d'augmenter mes jobs assez rapidement. Si ça me permet de gagner des jobs assez rapidement, c'est cool. Et elle a pas encore le proficiency plus. Ah si, là aussi, bah voilà, proficiency plus partout. MP recovery, MP plus. Ou full power. Full power, faut qu'on le garde. Alors 10%. Ou 100 là. Ça revient un peu au même. Enfin. Ça revient un petit peu au même. Enlever ça. Hop. Comme ça, ça pourra monter rapidement aussi au niveau de ces jobs-là. Il l'a déjà. Pour le reste, on est bon. Voilà, je disais bien, on avait des proficiency plus à mettre. Et bien, mesdames et messieurs, voilà qui achève notre petite session, notre grande session. On est sur une grande session aujourd'hui de God Wars Future Past. Ça commence à être un peu la fin du monde. Après, je parle surtout par rapport à la bataille qu'on a eue à Kanba, où on a pris cher. Pour le reste, ce qu'on avait fait de la fin du chapitre 3, globalement, ça allait. Mais c'est vrai qu'il va falloir qu'on soit un petit peu plus vigilant maintenant pour aller à Tsukuyomi. On verra ce que ça donne avec ce chapitre 4. J'espère que cette session vous a plu. On se retrouve pour la suite de God Wars Future Past. Dès que possible, et comme à l'accoutumée, d'ici là, portez-vous mieux. Bye.